Premier ministre a démissionné. D'abord, c'est bien malheureux que le Premier ministre a démissionné dans un moment. Côté que le pays a connu des difficultés, côté que n'a pas parlé de relâchement économique, de tout ça. Maintenant, une fois que le Premier ministre a démissionné, donc maintenant, pouvoir, en parlant des pouvoirs exécutifs et législatifs, donc il y a pour devoir pour mettre tête ensemble pour doter le pays d'un nouveau gouvernement. Parce qu'une fois le Premier ministre a démissionné, il a démissionné et le président lui-même l'accepte la démission. Maintenant, c'est-à-dire qu'il est consommé. Maintenant, comme la Constitution dit que le président, lorsque le parti a majorité, le parti au pouvoir, le parti a majorité, le président, il a pour devoir, pour, en consultation avec le président de Chamio, pour proposer un nouveau Premier ministre. Et je pense que c'est dans le cadre de ça que le président a été rencontré, le président de Chamio, et puis il a été proposé de nom. Alors, comme dans nouveau, au niveau de la Chambre des députés, c'est qu'on vient de prendre la conférence des présidents, mais dans le couloir, nous comprenons que le président lui proposait, et M. Thierry Marapol lui proposait M. Laurent Lamotte, il lui proposait l'autre madame que m'a songé, et non. Alors, nous-mêmes, comme nous sommes assemblés politiques, chaque député, chaque sénateur, bien, chaque bloc a appréhension de premier ministre, a appréhension de personnage. Donc, moi, je pense que faut entendre que nous arrivons dans l'Assemblée, nous arrivons dans le débat pour que lorsque le président choisit officiellement qui est dans sa haut, c'est là que ça demande la proposition pour nous dire que mais ça ne passe de tel ou tel monde. Tout le temps, en 1948, il n'est pas dit facile pour un premier ministre parce que dès qu'il s'agit de monter un gouvernement, c'est une question d'intérêt. Est-ce que moi-même, comme député, moi, intérêt pays d'abord, ensuite, moi, intérêt département de la Tibonite, est-ce que moi, intérêt Henry, comme député de la Tibonite? Et chaque député a posé la même question, ça tout. Et ou bien chaque sénateur. Maintenant, c'est l'ensemble des questions qui a fait la situation pas difficile. Mais en fait, c'est toujours le parlementaire toujours arrivé avant un consensus, à un compromis. Et j'espère que avec un consensus, un compromis pour mettre un autre gouvernement dans le pays pour que au moins nous adressions le problème de la population, pour que nous-mêmes, promesses que nous devons faire dans la campagne, au moins, pour que un pourcentage de commence à réaliser. Bon, moi, légalement, pour moi-même, ça, c'est ma position personnelle. Pour ça n'a pas campé. Pas oublier que le gouvernement qui a déposé le budget, c'est un gouvernement légitime. Maintenant, le Parlement n'a pas voté pour un gouvernement, il a voté le budget pour le pays. D'ailleurs, la loi baille déjà le gouvernement en l'autre prérogative. Si, par exemple, nous votons le budget là, donc le budget du gouvernement qui a venu, il définit une nouvelle priorité. Maintenant, le gouvernement a l'autre possibilité pour le fonds en loi rectificative. La fonds budget rectificatif, une fois que le budget a été déposé par un gouvernement légitime. Maintenant, pour ta retirer dans la discussion, il faut faire retrait. Donc maintenant, je pense que pour la commission financière, il y a pour devoir pour continuer de travailler pour ce budget, pour le garder et ça l'a fait. Et puis nous-mêmes, entre-temps, le temps pour le gouvernement monter, le Parlement a pris une position sur le budget.